say ball. I shoot the shot, I make the call. I always land on my feet, cause I keep pulling the shit. From the sky to the sea, I'ma keep going when I'm in the Grand Prix. Bienvenue à Hawaï, tout le monde. Vous ne rêvez pas. Ok, ok, du calme. Je sais bien que vous avez hâte. En même temps, ce vol en hélico laisse rarement indifférent. Alors, soyez les bienvenus au Motorfest. Je suis Malou et je vais vous faire le topo. Je suis là en tant que représentante du festival. Nous vous avons conviés ici, athlètes, festivaliers et amateurs de voitures, dans le majestueux archipel d'Hawaï.
Nous sommes ici sur le site du festival, mais en réalité, nous avons aménagé l'île toute entière rien que pour vous. On a créé un endroit où vous pouvez tout piloter. Des véhicules emblématiques aux voitures super customisées. C'est une célébration de la culture automobile conçue avec passion par Motorfest. Ces petits bijoux, nous, on les appelle les playlists. Et je ne fais pas que lire ce qui est écrit sur l'appli. Je les ai essayés moi-même avant votre arrivée. Attendez, je vais vous montrer. Cette playlist, c'est une expérience unique du Motorfest. Elle s'appelle Made in Japan. Made in Japan, c'est le voyage idéal au cœur de la culture automobile japonaise. Entre bitume et tradition, col de montagne et centre-ville éclairé au néon, cette expérience est tout simplement incontournable. À ses avantages et essayer ce playlist pour vous en fait clairement partie. En plein centre de l'action, contre des maîtres japonais du drift. Sensation garantie. Personnellement, j'ai vraiment adoré les courses à travers les montagnes et les rues de la ville. La playlist d'après était off-roading addict. Elle nous offrait des courses endiablées en pleine nature. Conduite en off-road vous donne l'occasion de vous frayer votre propre chemin et d'explorer les vastes étendues. C'est l'aventure. L'île devient votre terrain de jeu et la pleine liberté, votre credo. Quad, on vous donne toutes sortes de possibilités pour sortir des sentiers battus. L'improvisation. Mais avec la playlist suivante, on est sur du 100% compétition. Appelée à juste titre Motorsports, elle a été conçue spécialement pour les pros. Mmh.
Motorsports est axé sur la course au plus haut niveau, sur le frisson que procure la compétition, mais également sur les choix stratégiques et la prise de décision sous pression. Il n'y a rien de mieux que de triompher avec son équipe dans ce qui est considéré comme le summum des sports mécaniques. Décider quand faire un arrêt au stand, vérifier ce que font ses adversaires. Waouh! C'est tellement intense. C'était cool d'être la championne. Mais par la suite, j'ai eu droit à du old school. Vintage Garage. Il s'agit d'une playlist pour les vrais passionnés de voitures. Avec ces voitures, c'est pas seulement une question de look ou de nostalgie. C'est la façon dont elles se conduisent, les sensations, leur comportement. C'était un véritable défi, mais dans le meilleur sens du terme. À part dans un parking de collectionneurs, on n'aurait jamais eu l'occasion de faire un tour avec ces véritables légendes. C'est ça le pouvoir de Vintage Garage. La magie d'une époque où il n'y avait pas de nitro pour nous booster, ni de GPS pour nous guider. C'est étrangement réconfortant. Le passé doit toujours laisser sa place à l'avenir. La prochaine playlist est simplement légendaire. Lamborghini. Une playlist parfaite pour découvrir l'iconique, la pionnière. Je suis à court d'adjectifs, là. Vous avez compris quel genre de playlist ça allait être en voyant le logo Lamborghini. Certains des designs de voitures les plus mémorables de l'histoire sont à votre disposition. Rien de tel que ces voitures. Préparez-vous à vivre une course à travers l'histoire de Lamborghini. Des décennies de puissance et d'innovation. Piloter toutes ces légendes était un privilège vraiment exceptionnel. Un privilège que le Motorfest m'a gracieusement accordé. Et maintenant, c'est à votre tour.
Yo Désiel, comment tu vas? Merci du like, ça fait plaisir. Alors, ça vous a plu? Et pourtant, c'était que la partie émergée de l'iceberg. Mais il faut pas brûler les étapes. Allez, suivez-moi. Regardez autour de vous. Tout ça, c'est l'âme du Motorfest. Ça va et toi? Ça va tranquille, hein? Ça va tranquille. N'existe pas de meilleur endroit pour faire ses preuves, pour pouvoir exprimer son style et customiser son véhicule. Un vrai melting pot motorisé. Suivez-moi. Il vous reste le clou du spectacle à voir. Votre voiture, bien sûr. Allez, venez. C'est l'heure. Votre véhicule n'attend que vous. Bah franchement, graphisme de fou. Quand vous aurez choisi votre voiture, je vous confierai à Kara. Votre IA j'aime et beaucoup, assistante personnelle. Le graphisme, en cas de doute, vous pouvez toujours compter sur elle pour vous guider. Surtout on a les 5 heures gratuites, donc autant en profiter quoi. Découvrir le jeu correct, tu vois. Donc autant en profiter, tu vois. Statut opérationnel. Bonjour pilote, je m'appelle Kara. Laisse-moi t'aider à choisir une playlist. Made in Japan. Drift sur l'asphalte au milieu des néons dans un voyage à travers la culture automobile japonaise. Allez, on va tester le drift. Débloqué et paré au décollage, pilote. Cette playlist a été créée pour te proposer un aperçu de la culture automobile japonaise. Japonais sont le rêve de tout customiseur. Des bolides gonflés à bloc et un style inimitable. Nous avons voulu couvrir toutes les disciplines. Bon, je te laisse à plus poto, ça marche, et puis on file bien du jeu, quoi. Yo Babas, merci du like, ça fait plaisir, merci à toi, Frontier. Bientôt plus de détails, mais dirigeons-nous d'abord vers le conteneur. Ça, bah écoute, ça, ça va tranquille. Tranquille.
C'est assuré que tu découvres presque tout ce que les pilotes japonais ont à offrir. Passons à une autre activité. Puisqu'on ne pouvait pas t'emmener au Japon, on a amené le Japon ici. Il y a un événement spécial ce soir au temple japonais. Le début d'une toute nouvelle expérience. Voici ce à quoi tu peux t'attendre. Une ambiance estivale japonaise traditionnelle et beaucoup de voitures Kyusha. C'est-à-dire iconique, classique et conçu au Japon. En plus de ça, attends-toi à des rencontres intéressantes. En effet, le Motorfest a trouvé la ouais, c'est un peu du Need for Speed, un peu du GTA, un peu tous les jeux. Un peu tous les jeux de voitures qu'on verra bien assez tôt. Mais il est pas mal, le graphisme il est oufissime en tout cas. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Ça change des GTA, etc. De... Même des Need for Speed, quoi. Désolé pour l'attente. Bon, les jeux du mois, j'ai pas testé hein, personnellement. Pas trop test. Le Motorfest nous a demandé de te faire une démo, mais tu vas pas nous regarder les mains dans les poches. Tu dois jouer le jeu et essayer de nous donner du fil à retordre. Aucune pression. Ouais, fais gaffe, tu vas lui faire peur. Tu connais un peu la Honda qu'on t'a filé? C'est la NSX. Elle a été conçue dans les années 90 pour rivaliser avec des bolides genre Ferrari et Porsche. On pourrait entendre Shingo. En parlant de Shingo, vous savez que si on perd face à sa NSX, on n'a pas fini d'en entendre parler. Y a pas moyen. Je veux même pas y penser. Va falloir commencer à se bouger alors. Tu sais ce que ça veut dire, NSX? New Sports Car Expérimental. C'est pas à toi que je demandais. Bichette.
traditionnel japonais qu'ils ont créé. On se croirait de retour à la maison. Ok les gars, on dirait que notre pilote sait y faire. Intéressant. Bien joué. Passons à l'épreuve suivante. Notre prochain arrêt, Kaneohe. Le pack t'y attend et est prêt à te montrer une autre facette des courses à la japonaise. Wangansen, également appelée la Tokyo Bay Shore Route ou Route B, est un tronçon d'autoroute célèbre pour les courses de rue. Presque tous les pilotes des années 80 et 90 la connaissent. Certains des meilleurs conducteurs ont fait rugir leur moteur sur cette route. Même des groupes de courses notoires tels que The Midnight Club y ont fait leurs armes. Et c'est ce qui a légèrement inspiré notre prochain event. Gérer comme un vrai Achiria avec ma NSX. Ça, ça m'intéresse. Bah, je crois bien que tu vas te régaler. Ah ouais? Ok, je suis chaud. Ok, petite tête, le spectacle continue. Mais attention, tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois, et elle est raide dingue de cette voiture. Ça se comprend, c'est une légende la R34. C'est un kaiju. La Skyline est une icône. C'est une voiture puissante, faut du talent pour la maîtriser. Ouais, Ren a passé des années à la dompter. C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla. Donc en gros, si tu bousilles la voiture de Ren, quitte la planète. Ce parcours est parfait pour donner un aperçu de l'esprit Wangan. Un mythe absolu parmi les pilotes japonais. Imagine-toi rouler sur la Wangansen à Tokyo, avec une seule chose en tête, rouler à fond. Crois-moi, cette rayure échappera pas à Ren. Dans une course Wangan, tout est question de vitesse, l'ami. Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème. Les dragons. Vas-y, fais un vœu. Mmh.
faites gaffe au prochain virage. La fois où Shingo s'est planté dans un virage la nuit, soi-disant parce qu'il était ébloui par la lune. Ah, c'est bon, là. Quel bon souvenir. Suivront, j'en suis sûre. La technique moderne du drift a été perfectionnée par des passionnés japonais qui s'exerçaient dans les montagnes pour la sécurité des piétons en ville. En plus des conditions routières défavorables, ces cols de montagne sont parsemés de virages en épingle et d'autres difficultés. Le drift est le meilleur moyen de les négocier sans perte de vitesse. Au Japon, on appelle ces cols togé. C'est même devenu le nom d'un style de course à part entière. Les routes de montagne sinueuses d'Hawaï étant très similaires à celles du Japon, on a pensé que ce serait l'endroit idéal pour t'initier. Chose. Une course de togé, c'est généralement deux pilotes. Tu l'auras compris, prépare-toi à un duel. Toi et moi cette fois. On met l'euphorie du festival de côté 5 minutes et on se fait un vrai face-à-face. Je vais te montrer ce que c'est que le togé. Relax, j'ai vu ce que tu sais faire. Ça va aller. Et je te donnerai des conseils en chemin. Come on.
La clé en togay, c'est d'être capable d'équilibrer freinage et accélération à chaque virage. Un faux pas et c'est fini. C'est pas une technique facile, mais quand on la maîtrise, on se sent le meilleur pilote du monde, et surtout le plus cool. Ce soir, tu pilotes une Mazda RX-7 troisième génération de 2002. Légère, compacte, un moteur rotatif de malade et beaucoup de style. C'est la voiture d'Inata et elle a l'air sûre que tu peux me battre avec. On va lui montrer qu'elle se trompe. Qui arrive. À pleine vitesse, c'est un passage délicat. Garde le contrôle. Yo Lionel, comment tu vas? Bonjour, là je suis claqué. Qu'est-ce que t'as fait pour être claqué? C'est la meilleure partie, mais aussi la plus technique. Sois sur tes gardes. Je vais rentrer après. De quoi monte au Guillermo, mais je sais pas. Plus que quelques virages et on y est. Allez, montre-moi du vrai togay. J'ai pas trop compris là, non. Parce qu'aujourd'hui il y avait un marathon, il faisait 40 degrés et c'est le temps de race. Ah d'accord. Alors, du coup t'as fait combien de tièmes sur le marathon? Ah pas cool hein, les gros chaleurs comme ça. Surtout courir quoi. De nouveaux challenges t'attendent. Tu viens de nous montrer que tu étais capable d'exploiter les techniques de drift dans une course. Puisque t'as fait tes preuves, que dirais-tu d'une pure épreuve de drift? Et on était 100. Ah ouais, quand même. C'est bien ça. J'ai 26 ans, dis-toi. Ah, ça va. Du moins, d'après ma base de données, je ne suis qu'un ordinateur après tout. J'espère que tu as aimé la RX-7, car tu vas la piloter à nouveau pendant ce défi. Sauf que cette fois, elle a été modifiée et améliorée rien que pour ton plaisir. Tu as découvert le Japon traditionnel. Ah, moi j'en ai 32. Entré dans l'ère moderne. Pas si loin. Je te préviens, le contraste est saisissant.
Il me laisse ramener sushi à ma mère. D'accord. Le drift, hein, on verra bien ce que c'est. J'ai des messages après, je ferme juste l'épreuve. Je ferme juste l'épreuve. Ça répond. Alors, vie ma meuf a ramené ça. Alors, monsieur, je suis pas ma mère. Moi, je vis tout seul là avec ma meuf. Je joue à Call of sur PC. Je ne t'entends pas. Ouais. Non, mais c'est normal parce que je t'ai concentré dans le. Dans le drift, ouais, c'est cool. Moi aussi, je vis tout seul. Donc ça va. Quelle victoire! Beaucoup d'autres suivront, j'en suis sûr. Le drift est un style de course extrêmement populaire au Japon, mais le dragster a aussi sa part de passionnés. D'ailleurs, il y a un spot pas très loin d'ici. Piste est l'un des meilleurs endroits pour faire du dragster sur l'île. Fais chauffer ton moteur et prépare-toi. Ce sera une course éclair. Moi avec ma meuf, mais des fois il y a des endroits. Ah ben, comme dans tous les couples, hein, écoute. Hein. C'est pour faire chauffer vos pneus au niveau des corps, ensuite démarrer quand les faits passent au vert. Okay. On va essayer ça.
ça va, je l'aime bien. Bah, encore heureux que tu l'aimes bien, sinon je me poserais des questions avec ta meuf. Hein. Encore heureux que tu l'aimes bien, sinon ça, tu serais pas en couple avec. En train de regarder les films, bah tranquille. Ben ça, hein. Après il y a des gens comme ça ben, impossible de découvrir la culture automobile japonaise moderne sans une véritable course urbaine et des véhicules totalement customisés. Les rues d'Honolulu pendant la nuit devraient constituer le décor parfait pour les dernières courses de cette playlist créée pour toi. Tout ce qu'ils peuvent faire, et je crois qu'ils sont prêts à tout donner. Au programme, véhicule amélioré et conduite de pro. On y est presque. Montre-leur une bonne fois pour toutes que tu es à la hauteur. J'ai compris, non ? Sont au sommet de la mort, surtout la tienne, la Mitsubishi Lancer Evo X de Toji. Ouais, Toji est le customiseur du groupe. Il aime les voitures bien balèzes et bien vénères. On vient de s'embrouiller là. Ouais, pourquoi ? Concept X et Prototype X, c'est la version finale de la série Lancer Evolution. C'est l'Evo la plus moderne que tu puisses trouver. Une autre perle du JDM, c'est cadeau. Toji, je dirais même la meilleure de toutes. Fais gaffe. Elle a cassé la pièce. C'est pourquoi elle a cassé.
si elle a cassé, elle repaye. Comme ça. Oh tiens, tu prends son portable, tu le casses aussi, tu vois. Cool. C'est donnant, ok. Et ça la rend plus légère au passage. Exactement. Raison. L'équipe du Motorfest a le sens de la teuf. Ne te réjouis pas trop vite, t'es juste un hôte dans cette histoire. Fais gaffe à toi, Bernati. Les autres, ça peut devenir dangereux. Si elle a cassé, faut qu'elle repaye. C'est comme ça. Quelle bombe de geek. Bonne club à toi, ouais. C'est la customisation spéciale de Toji. Et tu viens de prouver que t'es totalement digne de cette machine. Préparer une voiture spéciale, ils sont pas prêts. Attends, moi je vais au chiottes, sinon. Je vais juste aux toilettes. À la 20. Ah bah il s'est barré, super bref, je suis ma club. Tu peux jouer à Call of après. Non après je jouerai pas à Call of ce week-end. Pas du tout. À moins demain. Mais là ce soir je vais jouer à GTA avec les potes. Et demain je serai plus, je pense à peut-être Call of War, je pense. Thank you.
C'était un plaisir, l'ami. Et on peut dire que t'as rempli ta part du contrat. C'est clair, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Ouais, ok. T'as pas mal assuré. Il y a clairement une place pour toi dans le groupe si jamais tu passes à Tokyo pour un peu plus d'action. Skyline, NSX ou RX-7. Et cette customisation est parfaite. Ouais, sympa. Mais oublie pas, rien ne vaut la R34. Bizarre comment tu prononces NSX, Ren. Que notre pote ait pas testé la MX-5 d'Ayato. C'est vrai, ça? Qui sait, une autre fois peut-être. On est loin d'avoir tout vu des courses de rue japonaises. On continue à discuter ou on montre à notre nouveau membre qui sont les alphas dans ce pack. De légende du Motorfest. Une nouvelle récompense t'attend dans le menu Activité.
est temps de récupérer ta récompense. Ton véhicule t'attend. De ce côté du Pacifique. On a une dernière surprise pour toi. Direction le conteneur. Ce voyage à travers le Japon traditionnel et moderne était exceptionnel. Quelle culture automobile. Fougueuse, classe, sans aucune retenue. On espère que cette playlist a répondu à toutes tes attentes. Hawaï et le Japon ont beaucoup en commun. C'était vraiment fantastique d'élaborer cette expérience. Nayato et ses amis, je peux déjà te dire qu'ils se sont drôlement bien amusés. Tu as clairement dépassé toutes leurs attentes. Être capable d'affronter ce groupe sur leur propre terrain et réussir à s'en sortir vainqueur, tu déchires. Quand t'as prêté pour le dernier event? Je demande juste, sans raison. Elle t'attendait depuis le début. Ouais. La Toyota Supra A80, édition spéciale. Tac, tic, tac, ouais.
terminer cette playlist. Nous sommes très fiers et reconnaissants de te présenter la plus hawaïenne de toutes les playlists. Son cœur est entièrement composé de montagnes, de jungles, de volcans et d'océans. Mais j'en ai trop dit. Je te laisse dès à présent découvrir ce que tu vas vivre à travers la prochaine vidéo. Toi, pilote.
Amai, en route pour la Hawaii Scenic Tour. Vers le prochain objectif. Tu as dû le sentir dès ton arrivée. Cette île est particulière. Comme il n'y a aucun endroit semblable à travers 5 océans, le Motorfest a conçu une expérience centrée sur Hawaï. Mais avant d'explorer Hawaï, célébrons-la avec un petit tour des Motorfest Grounds. Fiche ! Fiche ! Purée ! Mon dieu, Ford GT. Non mais franchement, l'île d'Hawaï, elle est vraiment pas mal. Oh, elle est magnifique. Passe cette course dans ce tout nouveau circuit du Motorfest. Peut-être un peu trop intense, non? Pas de pression. Et si c'est l'exploration qui importe, tu n'as pas à gagner pour débloquer les courses suivantes. Alors, profite du voyage. La victoire est juste un bonus. Commençons par une présentation de Motorfest Ground. Où que tu sois sur ce circuit, tu ressentiras la connexion entre Hawaï et les quatre éléments. Regarde ces requins. Ils marquent l'entrée de la zone eau. Tu peux voir un terrain d'off-road sur ta gauche. La plage idéale pour parfaire tes skills dès que tu en as envie. Chaleureux et vibrant comme la terre, nous sommes dans la zone de concert. Ici, on se rassemble et on profite de la musique. Tu connais ce volcan, c'est le Karmit. Lieu de rassemblement, custom show, activité du main stage. Tu as déjà eu le topo, n'est-ce pas? Sont un hommage au dernier élément, l'air. Tu trouveras aussi un circuit de drift, le premier laboratoire de la playlist Drift Experience.
c'est la fin de notre tour du Motorfest Ground. Je pense toujours que cette course était un peu trop intense pour cette playlist. Que dirais-tu de commencer un Hawaii Scenic Tour, un voyage plus détendu à travers toute l'île? Et promis, avec un vrai guide cette fois. Te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. Allons à la rencontre de Keola. Né et ayant grandi à Hawaï, il connaît ses terres comme sa poche. Il adore partager la culture, l'histoire et la beauté de son île. Tout d'abord, voyageons vers l'est, entre bords de mer, montagnes époustouflantes et chutes d'eau sauvage. Keola Nakai Kiraposo. Tu vas t'en souvenir? Rassure-toi, pas besoin de le dire entièrement. Keola suffira. On m'a dit que t'avais besoin d'un guide. Je serais ravi de te raconter une histoire ou deux au passage. Ce serait dommage de ne pas immortaliser notre voyage, hein? Relax. J'ai demandé au Motorfest de prendre des photos pour toi. Contente-toi de rouler et de kiffer. De Svan. Je reconnais le style de Dakine, un artiste de rue locale qui sait transmettre la vibe hawaïenne.
décroche pas ta planche tout de suite. On attrapera les vagues plus tard sur la côte nord. On va se régaler là-bas. En attendant, mate un peu ce paysage. L'île que tu vois là-bas, c'est Molokai. Kauai Paeina, ou l'archipel d'Hawaï, aurait été tiré vers la surface par le crochet magique de Maui. C'est ce que mes Kupuna me racontaient. Tu me crois si tu veux. Coconut Resort est juste devant. Un hôtel épique qui a malheureusement été détruit par un ouragan. Les palmiers qui bordent la route. Yo, Fichal, comment tu vas ? Ce serait parfait pour la première photo. Avec plaisir. Faut écrire sur le groupe, hein. Écrire sur le groupe pour voir, mais là, bonne question. Ah, faut voir hein, avec les autres sur le groupe, hein, sur le Messenger, hein, voir s'ils jouent ou pas. Ah, très bonne question. Nouvelle photo. Hola Opoko. Tu pars en vacances avec ton van, Rab, je fais les courses, je fais les playlists. Ça fait partie d'un volcan. Mais en même temps, ça te fait découvrir l'île, quoi. Enfin, tu fais tout le tour de la carte. Je teste les 5 heures du jeu gratuit, quoi. Donc, on va dire que voilà, quoi. Mais niveau graphisme. Oufissime. Je kiffe de trop. Ça, c'est le B-side, Kaneohe. Terre riche en ressources de l'ancien temps. C'est assez développé maintenant. Regarde ça. Ça donne envie de s'installer, hein. C'est
T'as déjà vu un van avec du nitro, tu me dis. Regarde le canyon de Mona. C'est ma partie préférée de ce parcours. Des falaises et des cascades. Si paisible. L'endroit idéal pour recharger ton mana. Fais une pause et relax. On se voit plus tard. Les annonces des orages, c'est sûr chez nous, si ça peut être fort, je t'envoie une vidéo, ouais, avec grand plaisir. 190 en van, tu roules au kérosène, ouais, sûrement. Ah ouais, t'as mis des orages, attends, je vais voir ça. Attends, t'es de quel point encore, toi, de la France? Bravo, pilote, de nouveaux challenges t'attendent. Chez nous, on annonce demain. Lundi, chez nous, on annonce lundi. Il me reste 3h30 de jeu. Super. Alors, comment était cette première exploration ? La prochaine dorée et la rue juste à côté de l'immense. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'avais dit. Non, on va repousser. Merde. Ce n'est que le début. Tu verras. Hawaï regorge de lieux envoûtants et variés. Faire chier, moi je prends le raccourci. Bon, après tu me diras si c'est les orages forts ou pas, hein, tu me diras. Ça sera Dieu pour le prochain event. Penses-tu d'une balade en décapotable à la campagne? On t'a préparé une grande classique d'une très célèbre marque allemande, la BMW Z4 M40i. Constructeur bavarois a toujours été un des leaders dans le domaine des roadsters. De la série 4 à la série 8, en passant par la M6, un nombre imposant de modèles ont été transformés en cabriolets.
Donc, pour résumer, tu seras au volant d'une BMW, cheveux au vent, dans l'un des endroits les plus paradisiaques de la planète. Mince, j'aimerais tellement être belle. Ouais, après on y a 10 minutes de lotion, t'en changes de pièce d'orage, je te prends. Ouais, bah ça, ouais, bon, normal quoi. Après, ouais, il fait. Puis ouais. Tu verras bien, écoute ça. On y est presque. Centrale Hawaï, la terre qui nourrit les vivants. Imo o lelo ana au ia oe. He koi koi ka mo o lelo. He la e pili, ai ke kanaka I kono au a puni. Bah écoute, La Rochelle, ouais, soirée, orage. Kaua I ke hoa. Ouais, même lundi, demain et lundi, ils ont lancé des oranges, mais là, ce soir, il y a rien. Mis à part à 3h du matin. Donc à voir. Enfin, ils prévoient pour 3h du matin, après à voir si vraiment il y en aura ou pas, quoi. Première photo. J'ai pas pu résister. Ces éoliennes sont inspirantes. Ou plutôt, comment ça va, mon ami? Bon, maintenant que t'es là, je vais t'apprendre d'autres mots qu'aloha en hawaïen. En décapotable, à l'air libre, au milieu des champs de tournesol. Ça, c'est du week-end à la campagne. L'île est pleine de plantations. Il y en a de partout. Canne à sucre au sud, banane au nord... Et les ananas. Là, c'est seul dans la nuit. Les semaines pour tant de mardi. Ah bah. Chez nous aussi, à partir de mardi, on a du 19 degrés. Bon, moi, ça me dérange pas parce que ça va me faire du bien, mais parce que j'aime pas trop la chaleur. Mais on va, faut bien qu'on rentre dans un temps automnal un peu. Je me souviens d'une autre légende de mon enfance. Tout ce que tu vois a vu le jour grâce au dieu Lono. Hé ! Rate pas ce virage à gauche ! Lono est celui qui apporte l'équilibre avec les saisons humides, rendant ses terres fertiles. De la vraie poésie, mais il y a toujours une partie triste. À New York, on s'est tapé un délire official avec les autres. On a fait 8 manches de saut au but groupé. Oh, c'est amusé. On s'est fait 200 000 en thunes. Et plus de 18 000 succès. Donc, non, ça, on s'est régalé, quoi. Bah, je t'embête pas plus. On a bien rigolé, quoi. Ouais, hier soir on s'est connecté plus là, il y avait Smith, Carito, Mario, Erwan. Ensuite plus tard il y a eu Yosha qui est venu. Voilà. On s'est fait un petit délire, puis c'était pas mal. On a bien rigolé. Quoi. On a passé facilement au moins
1h30 à 2h sur le son du loupé, quoi. Ouais. Les bâtiments au loin. Ouais, j'ai réussi à tourner un bit, mais j'étais sur Fortnite. J'ai fait le test de mon petit troll. Ah, parce que j'ai trouvé le mec en rage quitté. Hein. Ah, ouais, quand même. Effectivement, ouais. Ah, bah, nous, franchement, c'est régalé. Putain, t'aurais dû venir. Hein. On aurait fait que entre la team. Quoi. Peut-être que ce soir, ouais, peut-être une Snoop, c'est sûr qu'il va pas sco, il a un repas. Après, je pense Mario, il va sco, Erwan, je pense aussi. Faut voir, faut écrire sur le groupe pour voir qui sco. Joli, on se fait une leçon de sort pour la prochaine. Il est au niveau 4, il est 15 ans, il est au niveau 4, il est au niveau 4, il est au niveau 4. Ah bah c'est cool ça, ouais. Bon moi j'ai pas trop besoin, hein. J'ai assez de sous, hein, etc. sur GTA, donc ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas trop. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. Direction la côte. Adorer le prochain véhicule. Tu connais la version de série parce que c'est une Ford réputée, mais on y a ajouté une petite touche hawaïenne. Ah, bonus des difficultés, ouais. Si j'ai 150 millions, je fais ça pour l'appeler objectif sur la ville. Hop, moi je m'en fous de disque franchement. Ah vas-y, je me cause juste pour, voilà, pour faire quelques courses, des actifs comme en plus quoi. Et encore avec tous les bugs que j'ai là en ce moment, c'est voilà quoi, ça donne pas trop envie quoi. C'est exactement ce qu'il nous fallait aujourd'hui. T'amène vers les plages de Waimea, là où les montagnes émergent de l'eau. Hier j'avais 3 bugs sur GTA, ça m'a saoulé. Je suis sûr que tu connais déjà Waikiki. Mais il y a d'autres spots magnifiques, crois-moi. Ce spot mérite une photo. Parfait pour surfer. En hawaïen, on dit e'enal. Tout le monde surfe ici. Duk est le plus célèbre. Mais les hawaïens de toutes les classes et de tous les milieux ont toujours pratiqué le surf. J'ai pas 6 pour septembre, octobre. Même Lono surfait. Ah bah on verra bien, écoute. Lui préférait surfer sur les arcs-en-ciel. Ah, j'y crois pas trop. Hey, regarde, j'y crois pas trop pour, l'année prochaine. Majestueux. Certes, ça fera. Ça fait. Ça va faire 10 ans que le jeu est sorti. Voilà quoi. J'y crois pas trop pour l'année prochaine. Je suis pas optimiste.
Ce sable noir provient de ce volcan. Mieux vaut pas marcher pieds nus par cette chaleur. Ça revient à marcher sur des braises. Jeter un coup d'œil dans cette grotte, c'est plutôt cool. Un ancien fumeur qui a mis sa première ville de 2024 qui est dans une région. Ouais, bah écoute, on verra bien. Hein. On verra bien, mais. Tant qu'il n'y a pas un truc officiel de Rockstar Games. Et pas tous les fakes à la con là. Quand ça sera vraiment un truc officiel là, je crois. Mais autrement, pas du tout. J'ai dit GTA 6, il sortira quand il y aura la Play 6. Ce sera plus la 5, ce sera la Play 6. À force. Ouais, mais bon, après, voilà, on verra bien. Franchement, moi je crois plus rien. Les rumeurs, etc., j'y crois plus. Oh, un monstre marin sur ta gauche. On est à Waianae, mon spot de surf préféré. La première vague. Encore 240 balles de jeu. Cassé la pierre. Bon, après ça me dérange pas de mettre 140 ou 150 balles dans un jeu. Hein. Je verrai bien quand même. Je verrai bien au moment venu quoi. Puis GTA 6 de toute façon, quand il sortira, ça va être la plus grosse. Ça va être le meilleur jeu de l'histoire qui sortira, hein, de toute façon. Joliment fait, mais le voyage est loin d'être terminé. Essayons celle-ci. J'ai un bon pressentiment. GTA 6, moi non plus, je réserve le jour où ils annoncent sa sortie, mais grave, précommande directe, rien à foutre, c'est direct ça, le précommande total quoi. C'était inconcevable de te montrer à Hawaii sans parler un peu de surf. Keola a ses spots, mais il ne tient qu'à toi de trouver les tiens. L'île en est pleine. Bien. Le prochain arrêt, c'est du sérieux. Les volcans. Raccourci, comme dans GTA. Allez. Nul. Elle monte même pas. On recommence. On va éviter les raccourcis, hein. Enfin... On va éviter les raccourcis, on va prendre la route. Hein.
On va éviter les raccourcis, hein, vraiment. Mais grave. C'est le jeu, c'est trop ça, quoi. Bah, à 3, quand ça sera 3 heures du jeu, j'arrêterai et je ferai demain de nouveau. Parce que... Faut quand même que j'aille manger avant de... jouer un autre jeu, quoi. Et tu entres dans la fournaise. Il te faut donc une voiture qui est aussi résistante que puissante. Heureusement, tu conduis la Camaro Z28 de 1969. On dit que cette voiture mange des Mustangs au petit déjeuner. Elle devrait être à la hauteur du prochain défi. Le micro à Keola. Ah, Mustang, ouais. Vas-y, on va faire ça. Puis après, je vais arrêter pour la première partie. Wolohe paha oe no pele keo kua. Kawahine vela ena ena o kalua. Nona ke kino kahe avai. Ça, après j'irai, j'irai manger puis après, je verrai bien si mena ale. E molelo awane e kawa nona. Moi j'irai pas jouer chez Kobe, quoi. C'est toujours des longs cours. Moi j'aime bien tout ce qui est parcours. Là où on va, je veux bien quelques courses de temps en temps, mais je suis pas fan, quoi. J'ai fait un plusieurs listes chez Kobe, mais je suis pas fan. Bienvenue dans le volcan. Ici, toutes les montagnes qui t'entourent sont volcaniques. Certaines dorment, mais les autres... Pas besoin de te faire un dessin. Les Hawaïens, Pélé est la déesse des volcans. On dit que l'activité du volcan est la même que son tempérament. Parfois calme,
et parfois explosif. Tu roules sur le territoire d'une déesse redoutable. Ça vaut bien une photo. Pélé continue de façonner Hawaï. Grâce à elle, nous sommes les témoins du processus de création. Je sais que ça peut paraître fou, mais les volcans sont une véritable chance. Des géants puissants et prodigieux qui nous inculquent l'équilibre entre la destruction et la création. C'est grandiose. Les sols de lave et de roche sont maintenant une terre humide et fertile. C'est ce que les Hawaïens appellent fièrement Kula'ili. Encore un mot difficile, hein? Un virage là, je l'ai pris comme un chef, quoi. Il y a un joli temple japonais caché là. Ce sera difficile de s'y arrêter. Mais on peut toujours prendre une photo. Ah, pas dans celui-ci. Pour faire simple, Kula'ili est notre terre. L'endroit qui nous nettoie, nous nourrit et dont nous prenons soin. Mal fait. Ouais, franchement, elle est bien. Juste la vue là, je vais tester la vue pilote là. Franchement, c'est pas mal. Franchement, vu du cockpit, c'est pas mal. J'aime beaucoup quoi. En fait, il vient de sortir officiellement, je pense, ce week-end ou le week-end dernier, là. Enfin, non. Il vient de sortir officiellement, là, il n'y a pas longtemps, là. Et en fait, là, t'as une bêta gratuite, en fait, ouais, t'as le jeu, quoi. Une partie du jeu pour tester, t'as 5 heures gratuites, quoi. Donc là, il va me rester 3 heures, donc comme ça, demain, je termine les 3 heures tranquille, quoi. Mais je crois que je vais vraiment me l'acheter quoi en fait tu vois. Il est vraiment bien ce jeu. Ça change des GTA. En fait ça te ramène à du GTA, du Need for Speed, à du Gran Turismo, à du. Un peu tous les jeux de voiture réunis quoi. C'est plutôt pas mal. Rainbow Bridge est l'endroit idéal pour marquer l'occasion. Cheese. Puis les décors, le graphisme, franchement, j'aime beaucoup. Quoi. Et ouais, ça mixe. Ouais, c'est ça en fait, mais c'est vraiment pas mal ce jeu. Ouais, t'as 5 heures gratuites, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, quoi.
Ouais, il est sorti quand? T'as envie de dire quand il est sorti? Mais le voyage est loin d'être terminé. Il est sorti le 11 septembre, exactement. Donc tu vois, il a une semaine quoi. Ah ouais, ça se fait le truc de la carte. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu le truc de la carte. Ah ouais, tout ce qu'il y a. Franchement, c'est tous les joueurs qui jouent ça. Ah ouais, beaucoup de choses. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est bien, c'est... Ouais, effectivement, c'est bien... Non, 11 septembre, ouais, il est sorti le 11 septembre, ouais. Ouais, t'as vu... Ah, non, mais... Non, mais franchement, là... il est bien fait quoi. Franchement, il n'y a pas à dire. Quand tu peux voir la carte comme ça, ça a l'air grand. Hein. Donc il y a de quoi faire quoi. Et c'est plutôt pas mal quoi. Il y a de quoi faire. T'es à la rudesse de l'Ouest. Maintenant, je t'invite dans les contrées sauvages du Nord. Entre le sol, l'asphalte et la boue... Ah, le bâtard ! Ah, le bâtard ! Je ne répondrai pas à ces commentaires. Toucherai trop, attitude intrépide. Elle n'est rien qu'à toi pour cette course. La Dodge Challenger SRT, édition cross-country. Allez hop, on va faire ça, la dernière, et après j'arrête. Mamma mia. La côte sauvage cette fois. Moins tu rouleras sur l'asphalte, mieux ce sera. Tu commences bien. Les plages de sable blanc de Cavella Bay. Un trésor de sérénité loin de l'agitation. Oh, je crois que je vais retourner en vue cockpit. C'est largement mieux avant. Le Turtle Bay Resort sur ta gauche. L'endroit idéal pour admirer les Honu. Un peu la route, on part en quête d'aventure sauvage. Voilà, je vais mettre comme ça parce que là il va m'emmener dans la forêt là. Mamma mia. Ces jungles sont parmi les plus préservées de l'île. Elles sont aussi magnifiques qu'uniques. Hawaï est à plus de 4000 km de la terre la plus proche. Aucune forêt au monde ne ressemble à celle-ci. Elle est juste incroyable. Ah bah juste incroyable. Un peu compliqué aussi hein mon gars. Ouais, t'as beaucoup de playlists en fait Fischel, donc tu vois c'est plutôt pas mal. Et j'ai pensé à un truc pour une activité sur en extermination qui ressemblerait à une mystery box, mais à la place de les foncer dedans, faudrait penser à tomber dedans. Tu vois, tu prends genre un tuyau, tu roules et tu dois tomber dans des trous, dans les, certains trous, enfin dans les cases. Tu aurais genre des lance-missiles ou deux voitures, etc. Et ensuite, en dessous des cases là, tu mets un petit chemin pour que tu descendes, se fighter quoi. Ça pourrait être pas mal quoi. Je
me suis dit c'est l'idée quoi, faudrait penser l'idée quoi. Enfin je sais pas si tu m'as compris quoi. Tu vas bientôt passer à côté du temple Laie Hawaii. Ou du moins juste derrière. Ouais j'avoue ça. Mais ah ouais ça crée. Ça pourrait être pas mal quoi. Mystery Box mais inversé quoi. Ouais, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3. J'ai fait 3 Mystery Box. Dont une qui est pas mal jouée. Je suis plutôt satisfait. Quoi. J'en ai créé une quatrième, mais il faut que je supprime les choses parce que j'ai la mémoire modèle à fond. Quoi. Donc, en fait, j'avais montré à Yuan comment créer en vitesse une Mystery Box si il me prenait une heure de temps. J'ai pas fini parce que j'avais la mémoire modèle à fond. J'adore cette lumière qui traverse leurs branches. Mais l'idée que je t'ai dit, ouais, faut que je la travaille quoi. Et là, la semaine prochaine, ça va être compliqué, je suis d'après, donc je serai pas là les soirs pour jouer, etc. Donc ça va être compliqué quoi. Drift en pleine jungle? J'avais jamais vu une challenger faire ça avant. Ça va direct dans la galerie. J'ai vu que j'ai aussi des likes aussi pour un même niveau. Mais ouais, ça serait. Franchement, ça serait, je pense, une première, parce que pour l'instant, j'ai pas encore vu de choses comme ça en Mystery Box. Qui part vers le bas, tu vois, à la place d'aller tout droit pour rentrer dans les cases, tu tombes dans des trous. Et vis-à-vis du boost de la roquette voltique, bah, faut que tu arrives dans une case, quoi. Bah oui, ça serait inédit. Si on arrive à créer ça ensemble, franchement, ça serait pas mal, tu vois. Il faudrait tester le concept, quoi. La semaine prochaine, je suis en après-midi. Mais là, dans 2 semaines, si je suis de matin, je vais essayer de faire ça, quoi. Peut-être même le faire demain après-midi, si j'ai un peu le temps, quoi. Les plages du nord-est. Plage volcanique, tu deviens spécialiste mon ami. On a encore plein de choses à découvrir ici. Blanche, noire ou verte, on a vraiment de la chance. Il y a des plages de toutes les couleurs à Hawaï. Ouais, ça serait une bonne idée de créer ça, ouais. Ouais, carrément, j'ai eu des soucis avec la mémoire aussi de ma disponibilité. Je suis le matin 6h-13h, donc ça va pas presque. Ouais, c'est ça, faut que... Bah, après, il y a le week-end, quoi, hein, donc...
bien joué. Passons à l'épreuve suivante. Ah, c'était ça. Passons à l'épreuve suivante. Moi, je vais manger, ouais. Bah écoute, peut-être je te dis à tout à l'heure, au pire. Et puis sinon, bah à demain, quoi. Bon, allez. Si je vais pas sur GTA, bah, je te souhaite une bonne soirée. Hein. Mais moi, je pense que je vais venir sur GTA avec toi après, donc... Ouais, j'attends pas que le hard de studio, toujours pas publié. Bon allez, à touti. Sur ce, le live, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.